Simon's Garage. Aujourd'hui, on est dans le nord de la France. On va rendre visite à Simon de chez Chevreuil Motor. So let's hear this. Je m'appelle Simon, j'ai 27 ans. Je suis gérant de Chevreuil Motor. Donc c'est un atelier de préparation de tout ce qui est voiture de compétition, atypique et des vieilles brèves. J'ai un atelier parce qu'à l'époque, je voulais à tout prix rouler, je voulais à tout prix être pilote, etc. Puis quand t'as pas les moyens, il faut que tu apprennes à bricoler ta voiture ou ta moto, parce que sinon, il faut que tu l'emmènes au garage et ça coûte une couille, quoi. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais apprendre la mécanique pour rouler plus souvent. Puis de fil en aiguille, je me suis dit, bah tiens, je vais ouvrir mon garage parce que c'est vraiment ce qui me plaît et comme ça, je vais pouvoir vivre ma passion à 100%, quoi. Le week-end pour aller rouler et la semaine, bah, en bricolant les voitures ou les motos des clients ou même quand j'ai un peu de temps libre pour les miennes, quoi. Ma spécialité, vraiment, c'est tout ce qui est atypique, vieux ou compétition. Dès que j'ai pu toucher pédale, j'ai pu conduire dans les champs tout seul. J'ai eu ma première voiture à 16 ans pour aller juste dans les champs. Donc le premier truc que j'ai voulu faire, c'était faire de la dérape, quoi. Genre glisser, bloquer l'arrière et puis après tu commences à glisser. C'est là que je trouvais ça marrant, en fait. Passer vite, c'est bien, c'est efficace, mais passer en dérapage, c'est ce qui est le plus rigolo. Avec la brêle directe, je freine que à l'arrière tout le temps. On va me jeter des pierres parce qu'il ne faut pas freiner de l'arrière. Mais en fait, j'ai construit cet atelier cet hiver parce que j'avais froid dans le hangar. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, je me suis fait une colère. J'ai fabriqué ce... Bon, c'est un petit atelier. Il y a quoi? Il y a 60 mètres carrés à tout péter, quoi. Et comme ça, en fait, j'ai fait une grande porte de 7 mètres et je peux rentrer des bagnoles. S'il faut rentrer des bagnoles. Et à côté de ça, je chauffe quand je fais mes motos. En fait, j'ai commencé en rebricolant ma vieille CB350 que j'ai fait en mode un peu... Brad style, un peu branleur, pour aller en fait, pareil, je suis de la campagne, je voulais une moto qui me permette d'aller rouler dans les champs, faire le zozo. L'eau, il n'y a rien, tout est viré quoi. Ah ouais, bah tu vois, pareil, le gros guidon, t'as l'impression d'être sur un vélo, tu vois, moi c'était super impressionnant, important pour moi, tu vois, c'était le plus important. Épuré au maximum, j'ai remis un petit feu quand même pour quand je rentre, quand il fait un peu tard. Ce que j'aime, c'est une moto qui est facile à rouler, je me retrouvais comme sur un vélo en fait. Une moto belle, c'est cool, mais une moto belle qui roule pas, ça sert à rien. C'est fait pour rouler, quoi. Mais en fait, je peux la foutre au tas, je la mets à terre, ça me fait marrer, tu vois. Je suis pas là en train de chialer, encore 500 balles de peinture. Mon meilleur souvenir de moto, de toute façon, ça reste la même, je vais en parler tout le temps, c'est ma Honda 125 XLS, quoi. Le petit moteur, le poumon qui avance pas, quoi, mais qui est increvable. Ah bah super, hein. C'est plus que c'était, hein. Niveau entretien, c'est pour un mécano. Ouais, celle-ci, c'est un peu, en fait, c'est l'expérience ambulante, tu vois. C'est zéro entretien et on regarde jusqu'où ça tient, quoi. Ouais. Et c'est ma première moto. Le guidon, tu vas tout de suite être choqué, il est complètement tordu. Il est comme ça, le guidon, ouais. Il n'y a que moi qui sais rouler avec. J'ai fait 3 ans sans vidange avec l'huile d'origine que j'ai retrouvée dedans. C'est la moto que j'ai achetée, tout le monde m'a dit « t'as acheté une épave, c'est de la merde ». Les potes, ils l'ont essayé. La semaine suivante, on était avec le pick-up en train d'aller chercher les motos pour les copains parce qu'ils étaient en mode « il nous en faut une, tu vois ». Ah bah, tu m'étonnes. Je suis plus excité par celle que je suis en train de préparer avec le 600 parce que ça va être un vrai beau moteur. C'est une moto bien efficace et qui va glisser à mort. Je m'inspire beaucoup des flat track et pareil, le même délire, passer en glisse à fond de balle, pas de frein avant, un gros mono. Tu as coupé pour... Pour en fait rallonger, pour que ce soit à plat, quoi. Ouais, parce que là, tu vois, il y a un petit angle qui me plaît pas, bien à plat, une petite boucle propre, pas laisser ça comme ça non plus.
Bon, je suis parti d'un Honda 600 XR qu'un pote m'a vendu, pareil, sorti de grange, 300 balles. Base pas chère déjà, c'est le premier élément important. J'ai fouillé dans mon stock de réservoirs que j'avais, j'ai présenté. Là, j'ai retrouvé un vieux réservoir de Yamaha. Ça colle, c'est cool, c'est marrant. Donc on va partir là-dessus, quoi. Après, voilà, il y a toujours une part d'improvisation qui donne beaucoup de charme à la construction, je trouve, tu vois. Tu prévois de la finir pour quand ? Idéalement, j'aimerais bien que pour juillet, août, elle tourne, tu vois. Ouais. Comme ça, juste quand les champs, vu qu'il y a beaucoup de fermiers dans le coin, dès qu'ils ont un petit champ de libre, ils me le filent, et puis je vais rouler pendant une après-midi, tout seul, ou avec les copains, ça dépend qui est libre. Un break parce que c'était un peu la voiture de branleur ultime dans l'américaine, quoi. Tu vois, c'était on prend la voiture de papa maman, on la rabaisse et puis elle est cool, quoi. C'est tout. Je vais lui greffer ce petit bloc là-bas. Donc c'est un V8 Chevrolet parce que les pros Chevrolet ils aiment pas Ford et les pros Ford n'aiment pas Chevrolet. Donc je vais claquer un bloc Chevrolet dans la Ford. Et comme on sait que tu aimes bien faire différemment des autres, ouais, c'est ça un peu l'idée. Ça consomme beaucoup, ouais, bref, c'est la question à pas poser là-dessus. c'est débile. Hein. J'ai beaucoup appris par mon ancien boulot où j'étais donc sur des courses de 24 heures de voiture en endurance tout terrain. J'étais chef de voiture, donc je gérais toute l'organisation et puis la mécanique sur les voitures. Donc on les préparait pendant un an pour la course, tu vois. Donc j'ai travaillé 2 ans là-bas et c'est vraiment là-dessus que j'ai fait une base, en fait. C'est la base du savoir-faire rouler, en fait. Ta voiture, au bout de 12 heures de course, elle casse, il faut que tu trouves un moyen de réparer pour qu'elle reparte. Et là, sur la base, c'est quoi ? Alors là, c'est une petite Formule 3. Ouais. De 89. Tiens, t'as qu'à m'aider. Donc ça, c'est un client. C'est une voiture sur laquelle je travaille sur les compétitions. D'accord, ouais. Et justement, qu'est-ce que t'as fait concrètement sur cette voiture ? Elle faisait de la course de côte. Elle était un peu déboîtée de partout. On a refait la distribution sur le moteur. Il faut savoir qu'en fait, sur ces voitures-là, mais en gros, tu t'es obligé de couper la voiture en deux. Parce que tu sais, il n'y a pas de châssis en fait. Ouais. C'est le moteur boîte qui fait le reste de la partie cycle. Donc du coup, on a dû couper la voiture en deux pour refaire la distribution, la remettre en route, être sûr qu'elle tourne bien, etc. pour la première session, quoi. C'est des voitures qui vont quand même à plus de 200. Le pilote avait 16 ans à l'époque. Il fallait pas qu'il arrive un souci, tu vois. Tu as déjà testé sur la route ? Non, je peux pas, je rentre pas. Je suis trop grand pour celle-ci. Et voilà, quoi. Donc c'est assez sympa, quoi. C'est une voiture assez rare. Le drift, c'est un peu le sport automobile du pauvre en fait. Tu prends une propulsion, que ce soit une Mazda MX-5 ou une Sierra ou une BMW que tu achètes, on va dire 1000 balles ou 1500 balles, tu soudes le différentiel, tu mets deux vieux pneus à l'arrière et t'es parti pour aller faire le zozo, quoi. Ce que j'aime dans le drift en fait, c'est la finesse du pilotage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui déclenchent au frein à main, mais c'est facile en fait, comme on voit beaucoup en championnat. En fait, la technique un peu japonaise ou même qui a été empruntée au rallye, la technique un peu suédoise ou norvégienne, c'est vraiment le jeter, le transfert de masse. Tu arrives à fond de balle, tu jettes la bagnole à droite pour ensuite tourner à gauche, tu vois. Et c'est en déséquilibrant la voiture que tu vas réussir à tourner et donc à dériver, tu vois. Donc là, c'est la plus grosse, hein. Tu peux pas faire plus imposant pour celles qui sont ici. Donc c'est un BMW E39 de 98, break, ouais. Toujours break. Et donc V8 4 litres 4, boîte 6 manuelle. Donc c'est en gros un truc assez rigolo à conduire parce que c'est hyper coupleux. Moi, je me permets. Hein. Ouais, vas-y, t'as raison. Ah ouais, t'as vraiment tout dépouillé là. Ouais. Et encore, il y a encore du poids à gagner. Ouais. J'ai vidé déjà bon, tout ce qui est moquette, siège et compagnie. Là, faut que j'attaque disquer en gros, toutes les contre-portes, tu vois. Il y a encore plein de poids là qui sert à rien. Les vitres passées en Lexan. Là, il y a eu le gros travail, c'était l'arceautage, parce qu'un arceau pour un break, ça n'existe pas. Donc on a dû adapter. Bon, c'est pas très puissant, t'as que 300 chevaux. Mais par contre, t'as énormément de couple, donc c'est limite trop facile en fait. Une fois que t'es dans la courbe, ah, d'accord. T'as juste à tartiner, puis ça se passe tout seul, quoi. La difficulté, c'est de placer je l'appelle le minibus, quoi, parce qu'elle est quand même assez imposante, tu vois. Il est long, hein. Mmh. Ouais. Elle roule bien, mais elle est pas encore efficace, tu vois. Je motrise pas assez, c'est encore trop lourd. D'accord, et puis là, t'as changé tout, les freins à main Ouais, freins à main hydrauliques, donc pour bloquer directement, tu vois. Bon, après, il faut éviter de l'utiliser, le frein à main, c'est quand même une technique de lâche. Ouais. Après, bon, l'arceau, ça attire un peu les gens, tu vois. Donc, ouais, tu m'étonnes. Ça, en plus, je l'ai peint en or parce que c'est des restants du vélo, ça, pareil, avec 24 bicycles et les Golden Manouches. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, complètement, ouais. Donc voilà.
Et je vois que t'as pas mal de sponsors là. Ouais. Bah pareil en fait, le délire c'est... Le sponsor principal en fait, c'est un sponsor d'une marque qui n'existe pas. Mais tous ceux qui adorent le film Wayne's World connaissent Stan Mikita's Donuts en fait. C'est un endroit où tu peux manger des crullers à la confiote, etc. Dans le film. Donc en fait, c'est des sponsors factices, de marques factices. Je trouve ça rigolo. Je roule pour moi. Ouais, c'est bien barré quand même. Hein. Et puis t'as la drift pute quoi. Donc ça veut dire ce que ça veut dire quoi. Ça c'est un peu le groupe d'amis avec qui on roulait à l'époque. Bah, de toute façon, pour t'éclater, quand t'es un vrai fanat de bagnole ou de moto, ça peut partir juste du dimanche, démarrer la XLS, aller faire le zozo dans les champs que je connais par cœur par ici, et puis aller au petit bar du coin boire une bière, une part de tarte au sucre, et puis tu repars, et puis c'est rigolo, tu vois, t'es plein de goût, t'es content. Après, ça part sur un jeudi par mois, on part rouler sur un circuit près d'ici, à Cros-en-Ternois. Donc là, avec tous les copains que j'ai réussi à engrainer là-dedans, tu vois, hop, on charge la voiture sur le plateau, on part, et puis pendant une après-midi, c'est vidage de tête complet. Même juste des fois de rouler juste avec une voiture différente sur route ouverte sans rouler comme un cinglé, tu vois. Juste tu te balades, tu chill, la chill c'est important. Et tu chill et c'est ça quoi, fenêtre ouverte, coucher de soleil, dans le Pas-de-Calais quand il y a du soleil, c'est un petit Texas, tu t'éclates, du bon son, il n'en faut pas plus. Simon, merci beaucoup d'avoir ouvert les portes de ton garage, c'était bien cool. La petite session enduro elle aurait été vraiment sympa, hein. Même si ça avance pas, c'était chouette. Bon, on remet ça quand tu veux. Super. Nous, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Simon Garage. Salut.